livre s'appelle « Un racisme imaginaire », il porte sur l'islamophobie, et je remets en cause ce concept d'islamophobie en expliquant que c'est un mot qui amalgame deux sens très différents, la persécution des musulmans qui est évidemment condamnable, et la remise en cause de l'islam qui est un droit de la même façon qu'on peut remettre en cause le christianisme, le judaïsme ou le bouddhisme. Et parce qu'il y a cet amalgame, je pense que c'est un mot qu'il vaut mieux ne pas employer, ce que d'ailleurs font beaucoup d'intellectuels musulmans et même de religieux, et qui sont gênés par l'ambivalence de ce terme. Alors ça fait presque 14 ans que j'écris des articles, que je donne des conférences sur l'usage de ce terme, qui est un moyen de censurer la libre parole et de ne jamais condamner les actes des terroristes en expliquant qu'ils sont toujours victimes de l'Occident, des conditions sociales, mais que si on les désigne comme musulmans, même musulmans extrémistes, on les stigmatise. Et donc je pense que l'on doit parler sans aucune censure et que l'intimidation par le chantage au racisme contre les musulmans, c'est aussi ce qui explique les assassinats des gens de Charlie Hebdo et tous les meurtres qui ont été commis ensuite. Donc on peut critiquer le christianisme, on peut se moquer du judaïsme, du Dalai Lama, on peut se moquer du pape, mais si on le fait pour l'islam ou les représentants de cette religion, on est immédiatement taxé de racisme. Et moi je trouve que ce deux poids deux mesures est insupportable. C'est un livre qui est à la fois philosophique, historique et politique, oui. C'est une certaine manière de remettre en cause une prise de pouvoir sur la langue par l'invention d'un terme qui justement interdit toute remise en cause du dogme. Et il me semble que le terme islamophobie à la fois veut imposer le silence aux occidentaux qui sont coupables de laïcité, d'athéisme, de vouloir instaurer l'égalité entre les hommes et les femmes, mais surtout ce terme s'adresse aux musulmans réformateurs, hommes ou femmes, sceptiques, philosophes ou religieux, qui eux veulent bénéficier des mêmes avantages que les chrétiens ou les juifs et veulent justement discuter l'usage de leur foi et même sortir de la religion. Donc ce livre est un plaidoyer pour le droit de croire, bien sûr, mais aussi le droit de ne pas croire ou le droit de pratiquer sa foi d'origine de façon intermittente ou désinvolte. Et donc toute la fin du livre est une interrogation sur les religions aujourd'hui et sur leur confrontation avec la tolérance.